On a plutôt gagné un point. Parce que quitter de Douala à 10h pour arriver ici à 14h et jouer un match de 16h, ce n'est pas facile. Vous voyez que ce n'est pas facile. Et non seulement ça, n'est-ce pas, ça c'est pas un secret. Tous nos gars sont en grève depuis peut-être une semaine aujourd'hui, ils ne s'entraînent pas. Et depuis hier, il fallait qu'on parte de maison par maison, n'est-ce pas, pour essayer de supplier pour que les gars n'aient pas pu sortir de la maison. Vous avez vu que nous sommes 12 là. Il y a un gardien depuis, n'est-ce pas, il y a deux gardiens qui jouent devant. Et ça ne va pas. Il faut que la fédération fasse quelque chose, n'est-ce pas, pour le président du club. Pourquoi on essaie de voir. Ce sont des joueurs qui sont des acteurs. Et quand un joueur ne fait qu'un acteur qui n'a rien. Ils sont en train de réclamer de l'argent et le président n'a pas d'argent. La fédération n'a pas encore donné ça la subvention pour qu'on puisse les payer. Vous voyez que c'est très très difficile. Ça, je ne veux pas mentir, c'est difficile. Partir de Douala à 10h avec tout ce que nous avons eu comme soubresaut pour arriver ici. Et quand on arrive ici, on trouve encore un arbitre, Tanis Adrak. Je prie la fédération, ça c'est une prière, vraiment. Que le président de la commission des arbitres, c'est une prière. Et je prie aussi le président de la fédération camerounaise de football qui ne désigne plus Tanis Adrak dans les matchs de UMS. Je vous assure que c'est là où la guerre va commencer dans ce championnat. Parce que si on désire encore Tanis Adrak dans nos matchs, ça veut dire que la fédération voudrait ne qu'on descende. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Depuis 3 ans aujourd'hui, chaque fois que Tanis Adrak dit nos matchs, c'est comme s'il avait des rancunes, c'est comme s'il venait en mission. Et j'ai décrié ça à la réunion technique. Et je viens de voir ça encore sur le terrain. Donc je prie la fédération qu'on ne désigne plus Tanis Adrak pour nos matchs. Ça, je vous en prie. Les ambitions, c'est quoi? C'est le maintien. C'est le maintien. Si nous supplions les gars et qu'ils peuvent venir de temps en temps jouer comme ils sont venus aujourd'hui, pourquoi nous battre pas forfait? C'est le maintien. On ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas faire autrement. Nous avons un joueur là qui a perdu son papa, l'autre qui a perdu sa maman. N'est-ce pas? Il faut de l'argent pour les enterrer, tout ça, il n'en a pas. Alors que si la fédération avait payé les subventions, je crois qu'on aurait payé, n'est-ce pas, ces gars, et puis ces gars devaient jouer.